Monsieur Rouideri, bonjour. Bonjour, Nariman Mendil. Alors, l'initiative de commerce guidé africaine est entrée en vigueur depuis donc ce début novembre. L'Algérie adhère à cette initiative. Pour les opérateurs économiques, cette entrée en vigueur, que va-t-elle changer, Monsieur Rouideri? Tout d'abord, je salue tous les auditeurs de la chaîne 3. Je vous remercie pour cette invitation. Voilà, donc il faut noter que cette initiative de commerce guidé fait partie d'une initiative plus globale, c'est-à-dire l'accord de libre-échange, donc l'ASLECAF. L'implémentation globale de cette initiative ou de cet accord a pris un peu de temps, ce qui est normal dans ce genre d'initiative ou dans ce genre de contrat global. On parle d'un accord intracontinental, donc c'est normal que ça prend un peu de temps pour justement faire face à cette au fait que ça soit aussi que ça soit pas rapide. Le secrétariat de l'Union africaine a pensé, a réfléchi à mettre en place une initiative qu'on peut qualifier de pilote, donc qui regroupe un certain nombre de pays qui ont déjà ratifié l'accord d'association et qui vont tester, en fait. C'est un avant-goût, c'est un test à cette initiative à laquelle l'Algérie a adhéré officiellement maintenant et voilà. Donc dans laquelle l'Algérie est membre depuis décembre 2023. C'est, donc, vous le disiez, une phase préparatoire à l'entrée en vigueur de l'ASLECAF, dans son ensemble. Elle prévoit déjà, donc, les mêmes avantages que l'ASLECAF. C'est ces avantages-là qui seront testés. Exactement. Donc, ce qu'on appelle l'initiative de commerce guidé, fait partie, ou plutôt c'est comme je viens d'évoquer, c'est un test préalable qui permet de faire face au retard de la mise en œuvre de l'accord de l'ASLECAF, donc de la zone de libre-échange du continent africain. Cette initiative permet de donner plus de visibilité aux différents gouvernements membres de cette initiative, permet de donner une certaine confiance aux opérateurs économiques des pays membres. Donc c'est un test, c'est un ASLECAF pilote, on va le qualifier ainsi, qui justement permet à tous les acteurs, à toutes les parties prenantes, de tester ce mécanisme nouveau. Une fois de plus, c'est une initiative énorme, ça va prendre du temps pour justement arriver à la vitesse de croisière. Très bien. Alors aujourd'hui, le commerce interafricain, si on vient à parler de commerce interafricain, il y a beaucoup à faire, mais très peu de choses sont faites. Les échanges entre les pays du continent sont infimes. Que représente-t-il aujourd'hui, Monsieur Rouideri? Justement, le drame des échanges africains et cette initiative vient justement avec cet esprit d'une intégration économique et commerciale intra-africaine. Malheureusement et heureusement, parce que ça ouvre le champ en fait la marge de progrès est importante. Donc aujourd'hui on parle de 192 milliards de dollars d'échanges commerciaux en 2023. Ça représente Ypsilon par rapport au commerce mondial. Donc ce qui donne le champ très très large aux échanges commerciaux justement à travers cette initiative. Alors pour l'initiative, il y a quelques filières qui sont classées comme prioritaires. Donc on note par exemple l'industrie automobile, l'industrie pharmaceutique, également l'industrie agroalimentaire, la logistique et les transports. Est-ce que c'est des filières dans lesquelles l'Algérie a aujourd'hui le potentiel nécessaire pour adhérer, disons, de façon bénéfique à cette initiative? Justement, il faut noter que l'Algérie a déjà fixé ses priorités en fonction des différents avantages comparatifs, différents avantages compétitifs dont regorge le pays. Heureusement que la partie
production ou industrie pharmaceutique et même, je dirais, dispositifs médicaux et fait partie des priorités de l'industrie algérienne. Il faut noter que l'Algérie, il y a quelques années, importait presque 2/3 de sa consommation en médicaments. Maintenant, on importe qu'un tiers, on couvre plus de 60%, voilà. Pratiquement plus de 70% de nos besoins. Maintenant, plus de 70% exactement de nos besoins. Et on exporte déjà, l'Algérie exporte, que ce soit ses entreprises privées ou son fleuron public, notamment Saïda, exporte beaucoup de produits de pharmaceutiques. Donc nous avons une industrie pharmaceutique aujourd'hui. Donc le fait que ça fasse partie des produits prioritaires à cette initiative renforce un peu cette orientation économique du pays. Il y a aussi l'industrie segment technique. Dans le segment technique, il y a l'électroménager. Donc l'Algérie maintenant aussi jouit d'une base solide de l'industrie de l'électroménager et aussi l'agro-agri. Donc l'agro-agri, l'Algérie exporte un peu partout dans le monde ses produits et c'est une industrie qui a beaucoup d'avenir. Donc les priorités du pays, en fait, ils sont en ligne. Parfaitement en ligne avec les priorités de l'ASLECAF. Donc on est dans le même état d'esprit, ce qui va permettre cette intégration plus rapidement. Alors il y a également les services, on a vu, il y a la logistique et les transports qui font partie des secteurs prioritaires. Il y a les services, aujourd'hui les opérateurs veulent justement intégrer les services. Et là, l'Algérie a une expertise qui pourrait être, disons, profitable aux pays de notre continent. Comment les mettre en valeur ? Écoutez, aujourd'hui, l'Algérie, elle a des infrastructures importantes en termes de logistique. On a nos routes, on a nos ports, nos aéroports, etc. Donc c'est un pays quand même assez avancé par rapport à ce qui se fait dans le reste du continent. Maintenant, il y a beaucoup qui se fait, notamment, il y a des échanges que nous menons. Je parle du CREA en particulier, en tant que patronat qui est au service de l'économie algérienne et qui reflète et qui fait remonter l'information économique réelle aux autorités. Donc on est en plein discussion avec les autorités pour voir un peu quelles sont les meilleures formules justement d'investissement dans ce cadre, c'est-à-dire entre public, privé, les différents partenariats qui peuvent se mettre en place entre le public et privé, justement pour faire profiter le continent de nos infrastructures, de nos expériences, notamment dans les services liés à cela. Et il faut aussi noter qu'il y a beaucoup à faire et c'est en cours. Alors justement, vous dites qu'il y a beaucoup à faire. La part de l'Algérie aujourd'hui dans le commerce intra-africain est infime, il faut le dire, moins de 0,5%, c'est la part de l'Algérie. Donc dans le commerce entre les pays de notre continent, une part que les pouvoirs publics souhaitent donc augmenter, évidemment en adhérant à cette initiative de commerce guidé. Parmi les contraintes aujourd'hui, on a parlé de la logistique, c'est une des contraintes majeures. Il y a des lignes qui ont été ouvertes donc pour desservir des lignes aériennes, notamment qui ont été ouvertes pour desservir certains pays du continent. Pour les autres, ce n'est pas le cas. Et puis le transport maritime, là aussi, il y a des défaillances qui sont enregistrées. Comment faire aujourd'hui pour trouver des solutions viables à ces problèmes de logistique qui freinent les exportateurs? Vous avez évoqué au début de votre question le fait que la part de l'Algérie est très très infime en termes d'échanges avec le reste du continent. C'est vrai que surtout dans le passé, nous étions un peu orientés au nord, à l'est, à l'ouest, mais depuis quelques années, on voit que il y a beaucoup qui se fait justement pour réorienter, j'allais dire, la Mecque vers le sud, vers le continent africain, qui est vraiment notre zone stratégique, j'allais dire, et systématique, donc justement pour arriver à une meilleure intégration continentale sur le plan économique, social, politique. Donc c'est une intégration économique, mais qui a des ramifications sur la prospérité d'une manière générale. Pour revenir à la partie logistique, voilà, la partie logistique, c'est vrai que nous avons des défaillances en la matière.
Il faut noter que l'Algérie a ouvert plusieurs destinations, notamment aériennes, dans le continent. Il y a Addis Abeba, l'Afrique du Sud, Cameroun. Il y a plusieurs pays où nous n'étions pas présents dans le passé. Donc ça confirme un petit peu l'orientation donnée par les pouvoirs publics pour justement aller conquérir plus de terrain africain. Bon, il reste la question de la logistique maritime. Il y a eu l'ouverture de deux lignes récemment vers Nouakchott et Dakar. Ça reste pas suffisant à mon sens, mais encore une fois, il y a des discussions qui se mettent en place entre les différents acteurs économiques et les autorités pour justement voir comment faire améliorer ce genre de défaillance. Il y a également peut-être des discussions avec les pays partenaires, lorsqu'on sait que c'est, on parle d'échanges commerciaux. Donc, est-ce qu'il y a moyen justement de rentabiliser, disons, ces investissements dans la logistique entre les différents pays? Absolument. L'équation, en fait, de la logistique, notamment maritime, c'est toujours ce qu'on appelle les allers-retours. Donc, ce qui va affecter d'une manière considérable le coût justement du transport. Donc, tout est question de coût dans les échanges commerciaux et économiques. On est en train de négocier justement dans le cadre de cette initiative les différentes possibilités qui permettent justement d'améliorer le coût du transport par des allers-retours pleins, j'allais dire, qui, encore une fois, permettent d'atteindre cette rentabilité. Alors, en plus de la question du transport, il y a aujourd'hui la question des études de marché. On sait chaque marché a ses spécificités qu'il faut connaître avant de s'installer donc sur place ou avant même d'exporter. Aujourd'hui, Monsieur Quidri, est-ce que la réglementation facilite cet accès ou au contraire, parce qu'on sait que pendant de longues années, les opérateurs se sont plaints de la difficulté d'accès au marché. Justement, ça c'est un point sensible, c'est un point névralgique même, je dirais, c'est-à-dire l'accès au marché étranger. Ça ne touche pas que l'Afrique, c'est pas propre à l'Afrique ou à la ZLECAF, mais c'est d'autant plus important justement de remédier à cette problématique quand on veut aller conquérir des marchés de notre continent. Il y a la note que tout le monde connaît, le règlement 1404 qui régit un petit peu l'investissement à l'étranger. Moi, je pense que il est temps de revoir ce dispositif dans le sens où, en fait, il ne faut pas confondre l'investissement proprement dit, donc à l'étranger, avec une sorte de promotion en fait de notre présence là-bas. Donc, c'est une promotion de l'exportation. Quand on a des bureaux de liaison dans des pays étrangers, notamment en Afrique, ça veut dire que nous sommes en train de d'étudier ce marché. Donc ça, ce n'est pas un investissement à mon sens, c'est plutôt une forme de promotion de notre investissement. Donc il faut alléger ce dispositif dans ce sens-là pour justement permettre cette présence des opérateurs économiques algériens dans ces pays africains, permettre de faire des études économiques, des études de marché pour mieux comprendre ces marchés. Ça permet aussi d'ouvrir des bureaux de liaison, des bureaux de représentation. Donc tout ça, je pense que et en fait ce qui est, j'allais dire positif, je vais un peu conclure ce point avec une note un peu positive, c'est qu'il y a eu des échanges récemment entre des membres du CREA avec les représentants de la Banque d'Algérie qui ont été très réceptifs à cette demande. Monsieur Quidri, on avait parlé donc dans la première partie de l'émission de ces contraintes qui freinent aujourd'hui les exportations algériennes vers les autres pays de notre continent. On a parlé des problèmes liés à la logistique. Il y a également aujourd'hui la présence des banques algériennes au niveau continental. Il y a déjà deux banques qui sont ouvertes. Est-ce qu'on ne devrait pas penser à un élargissement de ce réseau? Oui, justement, il y a deux banques qui ont été ouvertes en Afrique, donc en Mauritanie et au Sénégal. Encore une fois, c'est pas un hasard que ce soit les deux pays où on a des lignes maritimes. Ça veut dire que en fait, l'ouverture administrative des banques, des lignes maritimes, répond à un besoin commercial réel. Donc ça, c'est justement ces deux pays avec lesquels nous avons un certain nombre d'échanges. Historiquement, Sénégal, en Mauritanie, c'est la porte à l'Afrique de l'Ouest.
Bon, maintenant, avec cet accord, l'étendue des échanges commerciaux du pays doit être un peu plus élargie tout de même. On parle d'un spectre plus large, donc on est en train de mettre en place ou en œuvre un accord d'association avec tout le continent. Ça commence avec cette initiative et ça va toucher tout le pays. Donc, je confirme ou je conforte ce que vous venez d'évoquer, Nariman Mendil, c'est-à-dire que là, il y a nécessité d'aller encore plus, notamment l'Afrique de l'Est et dans d'autres zones du continent. Ces banques justement peuvent jouer leur rôle, c'est des instruments qui peuvent jouer leur rôle d'intermédiation, notamment en termes d'investissement, mais une fois le cadre juridique, donc le cadre juridique soit revu pour permettre ce genre de transfert à l'étranger. Donc c'est d'abord un travail qu'on doit faire à un niveau national une nouvelle fois. Justement, l'Algérie aujourd'hui, elle est en train de revoir son dispositif notamment réglementaire, voilà. Et en parallèle, on crée les instruments, les outils. Donc on peut avoir le meilleur cadre juridique sans avoir les outils, et aussi on peut avoir les outils sans avoir le cadre juridique. Donc maintenant, les choses sont en train de se faire, d'avancer en parallèle. Alors, il y a déjà des entreprises algériennes qui ont fait l'expérience, il y a des entreprises algériennes qui exportent déjà vers les pays du continent. Est-ce qu'elles ne doivent pas servir justement de locomotive pour drainer d'autres opérations d'exportation? Absolument, il faut se servir des expériences des champions, des champions économiques qui sont déjà qui sont présents sur plusieurs pays africains, des secteurs divers. Ils peuvent servir de modèle pour le reste des opérateurs économiques. L'échange d'expérience est important dans cet exercice. Alors, on parle du rôle de la diplomatie économique également aujourd'hui. Est-ce que justement le réseau diplomatique algérien qui est déployé au niveau du continent ne doit pas jouer un rôle plus actif pour faire la promotion des produits algériens, mais également pour faire connaître à nos opérateurs ces marchés où ils sont présents? Justement, c'est un point très important. Donc, la diplomatie économique, c'est d'essayer d'atteindre des objectifs économiques en utilisant des outils, des instruments diplomatiques. L'outil, l'instrument diplomatique, il est là, il est présent. C'est, même historiquement, l'outil diplomatique algérien, il a montré ses performances dans le continent africain sur plusieurs aspects, notamment politiques, dans le cadre de l'indépendance de certains pays, etc. Maintenant, comment justement exploiter cet outil diplomatique performant afin de récolter un retour économique et commercial. Je le dis clairement, ce n'est pas du ressort exclusif de la diplomatie, donc des représentations diplomatiques. C'est aussi le ressort des accompagnateurs, c'est-à-dire les chambres de commerce, les patronats comme le CREA et les grandes entreprises que vous venez de citer, donc ceux qui sont déjà présents. Donc tous ces acteurs doivent s'organiser de la manière la plus efficace. Donc chaque pays a ses spécificités, donc ils doivent s'organiser bien sûr sous la coupe du représentant officiel de la diplomatie, donc de la souveraineté qui est la représentation diplomatique, pour justement pouvoir accompagner les opérateurs dans ces différents pays. Alors, il y a déjà ce que peuvent faire les acteurs algériens présents ou qui peuvent justement nous faire découvrir ces marchés et promouvoir les produits algériens. Il y a également ces étudiants des différents pays africains qui viennent faire leurs études en Algérie. Beaucoup vous disent qu'aujourd'hui, on devrait créer un réseau avec ces étudiants pour permettre aux Algériens donc de découvrir ces autres marchés, mais également pour promouvoir la production nationale. Exactement. C'est un sujet que je connais un peu. Donc, on a à peu près on peut parler entre 10 et 20 000 étudiants africains qui sont là dans nos différentes universités et écoles.
C'est les meilleurs ambassadeurs, j'allais dire, qui peuvent représenter l'esprit algérien, qui peuvent représenter la culture algérienne, qui peuvent représenter les intérêts économiques de l'Algérie dans leur pays respectif. Maintenant, je pense que ça a été utilisé à mon échéance dans le passé, notamment dans les années 60, 70, peut-être 80. C'est un peu lointain, mais maintenant il faut justement réfléchir à comment utiliser cette mine, j'allais dire mine d'or, qui est déjà là. C'est des étudiants qui bénéficient des différents avantages que les étudiants algériens y bénéficient. Donc c'est, ils sont considérés comme des Algériens à part entière en termes d'éducation, de formation et de prise en charge pendant leur séjour en Algérie. Ils reviennent chez eux, il y a des médecins, il y a des cadres supérieurs qui travaillent chez eux. Donc il faut justement utiliser ce réseau pour la promotion de notre économie. Une dernière question, Monsieur Kouidri, concernant les importations cette fois-ci, puisqu'on parle d'échanges commerciaux. Quels sont justement les produits qu'on pourrait importer des différents pays africains pour, tirer de l'avant l'économie nationale, Monsieur Kouidri? Bon, il faut qu'on fasse, comme disent les Anglais, notre homework. Donc, il faut voir un peu dans chaque pays qu'est-ce qu'il offre et quel est l'avantage comparatif qu'il a ce pays et que nous, on n'a pas. On peut parler peut-être de certains fruits exotiques que nous n'avons pas chez nous, de café, et plusieurs autres produits que nous n'avons pas. Donc, le point de départ, c'est de trouver les besoins, l'expression de notre besoin, il faut la confronter à l'avantage comparatif de chaque pays. Donc c'est un travail qu'il faut le faire en interne chez nous et partir chez ces pays-là pour justement équilibrer un petit peu la balance commerciale avec ces pays. Merci Monsieur Kouidri, on arrive à la fin de cette émission. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous chers amis auditeurs de nous avoir prêté attention. Je vous souhaite de passer une agréable journée.